Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un retour action. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de succès pour les retours action, mais j'ai trouvé des nouveautés. Je sais que vous préférez les vidéos noz. J'ai pu voir sur les nombres de vues. Il y a une vidéo noz, la première, j'avais eu 70 vues. Et là, la dernière, j'ai eu 12 vues. Alors que d'habitude, j'ai une vue, voire deux maximum. Donc, on commence tout de suite. Il y a une nouvelle poudre fixatrice pour le maquillage à la mangue. D'ailleurs, on va l'ouvrir ensemble. Et j'ai trouvé deux nouvelles palettes. Alors, je peux enlever la suite. Ah, ça y est. Deux nouvelles petites palettes de Fab Factory. Oh, ça sent bon, disons. Il y a un scotch dedans, c'est pour ça. En fait. Parce qu'en fait, il y a des petits trous. Et un scotch à enlever pour que ça puisse passer. Ouais, ça sent super bon la mangue. Puis la poudre. Alors voyons voir. Ouais, c'est super doux. Ça lisse la peau. À mon avis, ça va être super. J'en ai une déjà. Ils avaient sorti noix de coco et pêche. Et là, ils viennent de sortir mangue. C'est vegan. Alors j'ai le ticket là, il est où? Alors la poudre, elle était à 1,99€. Après nous passons première petite palette comme ça. Je vais enlever l'emballage pour vous montrer de plus près. Oula. Ça se défait pas bien. Alors, j'ai le pinceau. Alors. On va, voyez-vous, elle s'appelle celle-ci Elegant Beauty, 9 couleurs, dans les tons de marron et rosé. Alors par exemple, on va prendre un mat, donc on le voit là. Et on va prendre un irisé, par exemple celui-là en bas, pour mettre en dessous. Voilà, vous avez le mat et l'irisé. On voit bien, c'est pas mal. On va essayer de tester une autre couleur. Celle-ci, hop. Celle-ci, oh, c'est pigmenté. Après, je vais essayer au doigt sur celui-là. Là. C'est donc celui d'en haut. On va essayer un autre irisé. Comme ça, on les aura essayés tous. On va essayer celui-là. Voilà, vous les avez tous. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Il y a le petit pinceau.
Et quand on ferme, ça donne ça. Alors les palettes, je vais ouvrir la deuxième après. D'ailleurs, je vais nettoyer ma main pour pouvoir vous swatcher la deuxième. Les palettes, elles sont au prix de... €1,99 pièce. Donc on va ouvrir la deuxième qui est pas, c'est plutôt du marronné et du nude et du doré que l'autre. Ouais, c'est un peu différent de l'autre. Je me suis pas trompée, pour c'est pas la même. Non. Elegant Beauty, ben, ça s'appelle pareil. C'est pas pareil. Alors. On va ouvrir. Faites pas attention à mes doigts parce que ils sont pas très. J'ai fait mon budget, mon planeur budget, et j'ai effacé le mois de mars. Et en fait, j'ai des traces de marqueurs. Oh, j'ai beau avoir lavé mes mains, nettoyé aux lingettes. Ça marque. Alors voici la deuxième. Voilà les teintes. On va swatcher. Je vais tous les swatcher sur ma main comme ça. Alors après celui-là. La pigmentation, c'est incroyable quand même. Entre-temps, je m'essuie pour prendre la suite des fards parce que j'aurais dû vous... Ouais. Et on a ça. On a ça. Et ça. Alors, on va... Donc voilà. Elles sont vraiment belles les couleurs. C'est bien pigmenté. C'est un peu dur à enlever d'ailleurs. Franchement, pour des petites palettes à ce prix-là, au niveau qualité-prix, c'est vraiment bien. Donc voilà, je vous ai dit 1,99€, c'est pièce. J'ai repris des bombes de bain de la marque Spa qui sont vraiment très bien. Le lotus. Il y a des fleurs séchées dedans. Ça sent super bon. Celle-ci, j'adore la rose. Et celle-ci. La rose, j'en ai pris deux. Les autres, une de chaque. C'est 1,39€ pièces. Alors... Il me reste un article à vous montrer. C'est Collector. J'adore Harry Potter. Ma fille m'avait offert à Noël la pop Harry Potter. Ou à mon anniversaire. Non, à Noël. Et donc, il y a longtemps que je voulais des petites figurines. Donc, Harry Potter et... Comment Harry Potter et Ginny Wesley en petit format et avec les animaux quand ils font Patronus Friandi. Donc j'ai trouvé ça à Action. En grande surface, c'est cher.
pour ce que c'est, je trouve. C'est presque 20 €. C'est dans les 18, je crois. Et là, chez Action, je l'ai payé 3,99 €. J'ai bien dit 3,99 €. Donc, je me les suis pris pour mettre à côté de ma pop. Et je trouve qu'elles sont super bien faites. Les... Je sais pas, je vais essayer de... ah bah voilà. Ah bah non, c'est collé là. C'est collé. Ah ouais. Non, il y a un scotch. Attends, je vais essayer d'ouvrir pour vous montrer de plus près. À moins que je fasse avec un ciseau. Je vois pas le scotch. Il est là. Voilà. On va essayer de... Voilà. Donc, je vais juste... Voilà. Voilà, je la remettrai dans la boîte après. Comme ça, vous pouvez les voir de plus près. Sans le... Donc, c'est 3,99 €. Elles sont vraiment mignonnes. Attends, je vais essayer d'en faire. Ah ben, je vais pas les sortir de leur... J'ai juste tout enlevé de la boîte. Je les sors pas de leur reste d'emballage parce qu'en fait, ils ont les pieds attachés. Donc, pour tout ça... Et puis, j'avais pris des graines pour les oiseaux. Pour belle maman, elle aime bien donner à manger aux oiseaux. Donc, j'en ai eu pour... Où est-ce qu'elle est, l'étiquette? En tout, hein, 17,31 €. Donc, c'est vrai que ça va vite, hein, mais c'est correct. Voilà. Donc, voilà le coffret. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!